Alors, je m'appelle Jean-François Hinsse, j'habite à Courtamans, dans le canton de Fribourg. C'est un village entre Fribourg et Morat. J'ai 71 ans. J'ai rêvé d'écrire toute ma vie. Depuis mon enfance, j'ai mis beaucoup de temps à parvenir à réaliser un texte abouti. Mais le bonheur d'écrire, je l'ai éprouvé tous les jours. Et maintenant encore plus depuis que je suis retraité et que je peux m'asseoir à ma table presque tous les matins devant mon papier et mon ordinateur. Le roman La folie du Pélican s'inspire d'un drame qui a eu lieu aux États-Unis, l'affaire Whitaker, où un fils a commandité le meurtre de ses parents et de son frère. Cette histoire m'a fasciné, m'a interpellé. Je me suis demandé comment j'aurais réagi en tant que père si j'avais été finalement le seul survivant du massacre. Et puis, je me suis aussi demandé jusqu'où pouvait aller le pardon. Le roman que j'ai écrit est un roman qui commence de manière sombre, mais contrairement au roman noir, je voulais qu'il finisse d'une manière plus lumineuse.